Un sens de circulation, Christiane, retraitée à Souffle, arrive au drive de la bibliothèque. Je rends des livres et j'en prends de nouveaux. Ça marche très bien. Je vais sur le catalogue de la bibliothèque qui est sur Internet et je choisis mes livres. Ce système mis en place le 11 mai le restera encore en juillet. Mois à partir duquel vous pourrez également à nouveau flâner dans les rayons. La bibliothèque sera ouverte aux horaires d'été, c'est-à-dire le mercredi et le jeudi. Le mercredi de 10h à midi, l'après-midi de 14h à 17h et le jeudi de 16h à 18h30. Restrictions sanitaires obligent, le port du masque est obligatoire et pas plus de 3 personnes dans l'espace. Une fois les retours posés, obligatoirement les gens se lavent les mains avec le gel hydroalcoolique avant de choisir leur livre en rayon. Lorsque le livre réintègre sa maison, il est placé 10 jours en quarantaine avant sa réintégration dans les bacs. En juillet, c'est aussi le début de l'opération « Lire, c'est facile ». Il s'agit en fait d'attirer un nouveau public, un public qui ne va pas dans les bibliothèques. Les livres sont destinés à des enfants dyslexiques. Ceci dit, ce sont des livres qui sont accessibles à tous et pour tous. La typographie, les syllabes sont différenciées avec des couleurs. Un enfant qui n'aime pas lire ou qui a des difficultés peut tout à fait trouver son bonheur dans notre fond. Faire revenir les habitués et attirer d'autres profils, le déconfinement se précise à la bibliothèque C'est à lire. À la rentrée, la responsable et son armada de bénévoles espèrent retrouver un rythme normal.